Attention, à compter de demain, Facebook pourra utiliser tous vos contenus. Chaque année, on refait cette chronique parce que chaque année, il y a un message qui reprend Facebook de façon virale qui dit que selon la loi UCC 1-308, ou la loi IOL 308-10-3, ou le statut de Rome, Facebook devient public, puis là, vos contenus, finalement, c'est ton message, dit que si tu ne copie-colles pas, Christy, copier-coller, t'es pourri Internet, si tu ne copie-colles pas ce message disant à Facebook, dans ton Facebook, que tu refuses que ton contenu soit utilisé, ben, à partir de demain, Facebook pourra utiliser tes images, tes photos, publications, bref, tout ce que tu as mis dans le réseau social. Si vous voulez savoir qu'est-ce que Facebook peut faire ou pas avec vos contenus, je vous invite à aller voir tout en bas de la chronique. On vous a mis un lien où on a la politique d'utilisation des contenus de Facebook. Bon, premièrement. Deuxièmement, on sait tous que quand on rentre dans Facebook, on donne probablement droit à Facebook de faire à peu près ce qu'il veut avec nos contenus. C'est une plateforme de diffusion. Donc, oui, on peut aller dans les paramètres pour dire « fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça », mais gars, allez dans Facebook. T'sais, on dit toujours « Facebook, c'est gratuit, et si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Alors, quand on est sur Facebook, ben, on accepte les règles du jeu. On a fait cette chronique en 2013, en 2014, en 2015, en 2016. Et c'est drôle parce que le message change d'année en année. Si vous voulez rire, là, regardez sous cette vidéo. Chaque année, on met à jour le nouveau message à la mode durant l'année. Là, vous verrez le nouveau message de 2021, mais qui ressemble pas mal aux autres. Alors non, il ne se passe rien de différent sur Facebook demain. Mais oui, Facebook va continuer à être une machine qui profite de nos contenus et de nos données pour s'enrichir. Et nous, de l'autre côté, en échange, ben, on profite d'une plateforme pour échanger, consulter, jaser. Puis bon. Fait que si t'aimes ça, tu restes là, puis si t'aimes pas ça, tu t'en vas. Hey! Mais non, il ne se passera rien de spécial demain. Et on ne copie-colle pas ce foutu message. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est partager cette chronique à ceux qui pensent qu'il faut copier-coller. Et ainsi, on va peut-être calmer le jeu pour 2021. Et je vous fais une promesse. On mettra à jour cette chronique en 2022.